La demande du PMSD à ce que Roshi Badin intègre le front bench de l'opposition rejeté par le bureau de la speaker. Roshi Badin, dans une conférence de presse cet après-midi, s'en est pris à Maya Hanoumanji, qui l'accuse d'avoir réglé ses comptes avec lui dans l'affaire Biscuit. À la veille de la rentrée parlementaire, Pravin Jugnauth a présidé sa première réunion du groupe parlementaire de la majorité. Des députés du gouvernement se disent prêts à entamer cette rentrée avec le nouveau leader of the house. La validité de l'ancienne carte d'identité étendue jusqu'au 30 avril, une décision du ministère des TIC ce lundi. La raison invoquée, les deux centres de conversion affichent déjà complets jusqu'au 31 mars. Le ministre Sunil Bola présente un plan directeur échelonné sur 10 ans pour les PME. Le but, transformer le secteur en adoptant une culture d'innovation. Empretec Mauritius, qui a rédigé ce rapport, est d'avis que le volume d'exportation connaîtra une hausse de 18%.